Ouais, bonsoir. Alors, avant toute chose, si les Oberlands n'étaient pas à jour, c'est parce que nos très chers joueurs ne m'ont pas envoyé leur liste comme demandé. Voilà. Ça, c'est une chose. Voilà. Le deuxième truc dont il fallait qu'on parle vite fait, c'était que, à un moment ou à un autre, pour les joueurs concernés qui seraient là dans le chat, vous serez contractuellement obligés d'être streamés. À partir d'un certain stade, pas encore décidé, mais voilà. Et puis non, voilà. N'hésitez pas quand je demande votre liste à l'envoyer, je vais pas dire dans les plus brefs délais, mais voilà quoi. Pas genre 30 secondes avant que je démarre le stream, voire 30 secondes après quoi. Sans transition, bonsoir à tous, saison 4, top 16, Ligue Millennium Condor. Soyez des joueurs respectueux. Et respectable, faites vos devoirs, par pitié. Benoît Piccolo contre Charles Forest Latour. Et c'est un duel qui opposera donc l'Alliance Rebelle au Premier Ordre. Moi au moins c'est facile, c'est en général toujours la même. Voilà exactement, faites comme à l'Aïdar. Défoncez des gens depuis 70 games avec la même liste. Et faites pas chier. Voilà, on pourra vous dire que vous manquez d'originalité, mais au moins vous gagnez toutes les compétitions. Donc là au moins, y a rien à dire. Alors ça, j'enlève, on n'en a plus besoin. La prédiction s'est déjà lancée depuis un moment, tout va bien. A gauche, l'Alliance Rebelle, Benoît, avec sa liste à 199 points. Composée de Wedge Antilles, Initiative 6, moins un dé de défense quand le monsieur il attaque. Voilà. C'est facile. Ahsoka Tano, nouvellement arrivé, si on peut dire. Bientôt on pourra plus, mais qu'importe. Nouvellement arrivé, Initiative 5 dans le A-Wing. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 1-2, donc évidemment vous ne pouvez pas inclure Ahsoka dans cette portée. Et dépenser 2 forces, ce vaisseau peut effectuer une action même s'il est stressé. Voilà, capacité du châssis, après avoir effectué une action, quelle qu'elle soit, sauf l'accélération, et bien vous pouvez effectuer une accélération rouge. Visée instinctive, vous n'avez pas besoin de la concentration ou du verrouillage pour effectuer une attaque. Nécessitant ces prérequis-là. De fait, il vous suffit de dépenser une force pour ignorer les prérequis. Et elle est équipée des roquettes à protons qu'elle pourra donc tirer sans avoir pris de concentration au préalable. Alexander Kallus. Alors ça, c'est déjà un peu plus rare. Alexander Kallus, dit Fulcrum. Initiative 4. Lorsque vous défendez, si l'attaquant a modifié quelque nombre de dés que ce soit, c'est pas très français mais vous avez compris l'idée, eh bien vous lancez un dé d'attaque supplémentaire. Il est équipé de senseur passif, au moment de faire son action, on dépense la charge, il ne se passe rien, mais au début de la phase d'engagement, on choisit soit de prendre un calcul, soit de prendre un verrouillage. Il a également une tourelle dorsale qui, si je ne m'abuse, est restée sur le coin du terrain. Ah non, c'est bon, elle est là, elle est sous le vaisseau. Parce qu'en fait, il y en a une juste ici que vous pouvez apercevoir. Voilà, mais c'est pas grave. La tourelle dorsale, donc, portée 1-2, 2 dés d'attaque. Voilà, soumis à effectivement l'obtention d'un troisième dé si on est à portée 1. Globalement, c'est à peu près tout. Leia Organa, au début de la phase d'activation, on peut dépenser les 3 charges de cette carte. Et toutes les manœuvres rouges, eh bien, deviennent blanches pour tous les vaisseaux. Une charge sera récupérée à la fin de chaque tour. Une coque améliorée pour passer le Ghost à 11 points de coque et 4 points de bouclier, donc au lieu des 10 points de coque classiques. Et enfin, Saw Gerrera, lorsqu'on effectue une attaque, on peut subir un dégât pour changer tous les yeux en critique. Donc l'objectif de Kallus, ça va être de faire des yeux et non pas des touches. Enfin, des touches c'est bien aussi, hein. Mais voilà, on va éviter les blancs. Mais voilà, si on a des yeux, Saw saura faire quelque chose de très rigolo avec. Je rattrape un peu le chat parce que de toute manière, risque d'avoir un long moment avant un engagement. J'ai cru voir un gros Kylo. Le Silencer V1, effectivement, le Silencer V1 par rapport au Silencer V2, ça fait un gros Kylo. L'Overrun n'est pas jour 6, j'ai expliqué pourquoi. Contractuellement obligé de parier, il faut évidemment. Un gros Kylo ou un gros Kallus, c'est pas faux non plus. Les valeurs. Encore une compo hit and run. Voilà! Et bien, vous savez pourquoi, effectivement, on va passer une très bonne partie. Absolument aucun grief contre ce cher Charles, qui, si je ne m'abuse, que si je ne m'abuse, j'ai déjà affronté, et qui est un joueur très sympathique.
Évidemment, vous connaissez Benoît, donc j'ai pas besoin de vous le présenter. Mais effectivement, voilà, on est typiquement, là, tout de suite maintenant, on est typiquement sur le genre de partie où, si vous vous dites, tiens, j'ai pas mangé, revenez dans 20 minutes, il sera rien passé. En tout cas, c'est très fort possible. Les first order, j'ai mon top 16 à faire. Oh, il a son top 16 à faire. Eh bien, bon courage alors. Ah, ça, j'avais, c'est bon. J'adore la liste de Benoît, elle est très cool sur le papier. J'ai pas tellement compris pourquoi en vrai, mais bon, on va voir. Calus, une des plus belles pilosités faciales de Star Wars, mais après Chewie quand même. Ah. C'est vrai que Calus, il est quand même pas dégueu. C'est vrai qu'il a, il a ce qu'on appelle de très belles rouflaquettes. Bien, à gauche, joué par Charles Forrest Latour, culminant à un sommet bah, beaucoup moins élevé que celui de Darth Hunter, puisque seulement de 188 points, lui assurant donc de choisir qui est premier joueur, et au passage, évidemment, je ne l'ai pas indiqué, mais vous l'avez compris, c'est Benoît le premier joueur, si tant est que l'overlay, voilà, merci. Hop, bien, ce cher Charles joue donc le gros Kylo, initiative 5 dans son TIE Silencer. Après avoir défendu, vous pouvez dépenser une force pour assigner la carte. Je te montrerai, ou je vous montrerai, pardon, le côté obscur, carte qui est sur le bord du terrain et que nous, sur laquelle nous nous attarderons le moment venu, donc globalement à peu près dans jamais. Bien, alors, les autothrusters, qui est donc la capacité de châssis de ce cher Kylo. Après avoir effectué une action, vous pouvez effectuer une accélération ou un tonneau rouge, donc en gros c'est la même que Ahsoka, mais en mieux. Voilà. En même temps, il coûte un peu plus cher aussi, le monsieur. Les réflexes surnaturels, donc avant de nous avant de que Kylo s'active, il pourra dépenser une force pour effectuer un tonneau ou une accélération. Et en fait, la deuxième partie n'a aucun intérêt, puisqu'en fait les deux actions sont dans la barre d'action, donc la deuxième partie de la capacité n'a aucun intérêt. Voilà, vous avez juste besoin de savoir ça. Prime Thrusters, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais plus ce que c'est, aucune idée de comment ça s'appelle ça. Prime Thrusters, moteur sur boost, survitaminé peut-être, un truc comme ça. Lorsque vous avez deux stress ou moins, eh bien vous pouvez quand même effectuer des actions, tonneau ou accélération, même si vous êtes stressé évidemment. Ça marche également avec la capacité du vaisseau en lui-même, c'est-à-dire que vous avez un stress. Non, j'ai rien dit en fait, on s'en fout. Bref, ça fonctionne. Ça marche bien avec ce vaisseau, en fait, voilà. C'est ça que vous avez à comprendre. Et enfin, des torpilles à protons, parce que pourquoi pas balancer 4D finalement. On a la place et on n'est qu'à 188 points avec tout ça, donc torpilles à protons, 4D, portée de 3, on change une touche en crit, voilà. Bon, c'est à peu près les torpilles à protons. Bien. Et enfin, pour clore cette petite présentation, le Major Von Reg, initiative 6, dit le Baron Rouge. Durant la phase de système, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi dans votre œil de bœuf. Bonjour à nos amis québécois, évidemment. Ce vaisseau gagne un jeton de contrainte ou un jeton de oh, épuisement. Voilà. Donc ça, c'est le genre de capacité dont personne ne se souvient. Voyons si Charles est l'exception qui confirme la règle. La capacité du châssis très intéressante, après avoir entièrement exécuté une manœuvre, si vous n'êtes ni contraint ni épuisé, eh bien vous pouvez gagner un token, un jeton, excusez-moi, correspondant pour effectuer une action verrouillage ou une action de tonneau. Il est également équipé du loup solitaire, ce cher loup solitaire, eh bien, qui lui permet tout simplement de relancer un dé, que ce soit en attaque ou en défense, si aucun allié n'est présent à portée 0-2, une fois par tour, il peut le faire. Et enfin, les popopopo, je sais plus comment ça s'appelle en français. Post-combustion. La post-combustion, après avoir entièrement exécuté une manœuvre à vitesse 3-5, vous pouvez dépenser une charge, la carte en possède 2, pour effectuer une action d'accélération, même si vous êtes stressé. Voilà. Préjugés contrôlés. Je sais pas les jouer, mais c'est beau à voir quand c'est bien joué. Ah oui, d'accord. Et bonjour monsieur Corentin. Contrôle les as. Okay. Tout suivi, mais c'est pas grave. Bonne soirée, bonne chance aux deux joueurs. Bonsoir monsieur, j'espère que vous allez bien. C'est quand même pas des belles parties à regarder. C'est quand même pas des belles parties. Ça dépend des parties d'Ace. Ça peut être très beau à voir tout de même.
tout cas, ça finit pas la salle de finale. Estacle. Propulseur survitaminé, merci monsieur. 180 points, c'est dangereux, ça passe pas contre la plupart des autres listes de vaisseaux. Moi j'en ai une qui est à 192 parce que j'ai pas le choix. Mais c'est pas un choix. Comme je viens de le dire finalement, je le répète. Mais bref. C'est-à-dire qu'à un moment faut choisir et j'ai choisi de ne pas choisir. Ce qui est du coup un choix, je présume. Enfin bref. Voilà, bien, il nous reste une heure à jouer. Vous voyez que nous ne sommes absolument pas proches d'engager. Bien que bon, il faut reconnaître malgré tout que ce cher Calus prend de la place. Et qui dit prendre de la place, dit... qui dit prendre de la place, dit également avoir un arc assez conséquent. Et bon, un arc qui fait également un peu peur, hein, parce que ça reste un arc à 4D notamment. Quand t'as pas le choix, tu fais avec. Ben voilà, c'est ça. C'est soit moi j'ai soit deux initiatives 6 et ça fait 188. Soit un initiative 6 et un initiative 5, mais ça fait 192. Voilà. Cherchez pas de logique, vous pourrez pas trouver comme ça. Bien. Donc bref, au demeurant, j'ai rien contre la liste de Charles, effectivement. Mais à titre tout à fait personnel, et je conviens que vous ne soyez pas d'accord avec ça, et je ne cherche pas à vous convaincre pour autant. Je déteste les as sur ce jeu, je trouve ça, dans la plupart des cas, assez, comment dirais-je, inesthétique, voilà. Enfin bon, vous commencez à le savoir, vous êtes ici assez souvent. Je crois pas avoir jamais joué de liste à deux vaisseaux, ça me fait peur. Eh bien moi j'ai toujours été très fan des listes à 8 et des listes à 2 vaisseaux. Tout ce qui est entre, je suis pas trop fan. Les extrêmes, comme toujours. Voilà. Voilà. Je demande des conseils aujourd'hui, il est relou à jouer que ça. Oui. Bien. Bon, puisqu'on en est à discuter, parce que... Ah putain, j'ai pas reset le sub-goal. Fuck, je fasse ça. Puisqu'on en est à discuter, parce que bon, il y a des chances que personne ne se voit pendant encore un ou deux tours. Je joue une liste à 3 vaisseaux avec un vaisseau à 124 points. Ah, c'est pas mal. Vache. Boba Fett était très sympa à jouer. Oui. Confirme. Une liste avec 3 vaisseaux avec un vaisseau à 124 points. Non, moi c'est 2 vaisseaux qui font 124 points. 2 des 3. Vérité, bon, je vois pas vraiment 2, ils sont 3 en fait. J'ai essayé une fois une compo à 2 vaisseaux, mais c'était pas des as et c'était une bonne réussite. Vive les IG. Ah oui, bon, ça évidemment. Les IG. Je suis pas convaincu que. Comment dire, ils ont très bien, ils ont fait ce qu'il fallait, hein, les IG, ils ont été très bons, ils ont fait voilà, un score très honorable ces derniers temps, mais j'ai plus l'impression que c'était grâce aux joueurs qui les pilotaient que grâce à leur capacité ou quoi. Bon, après c'est vrai que l'IG a une très belle roue, il a suffisamment de HP pour tanker un petit peu, 3D d'attaque, 3D de défense, c'est très correct, là-dessus il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'en vrai, ils ont eu raison de le descendre, parce que très honnêtement, en point je veux dire, pardon, parce que très honnêtement, c'était un peu compliqué de trouver sa voie avec ce vaisseau, avec les précédents points. Là, je trouve qu'il a une place assez sympa, voilà. Voilà. En vrai, il est dans la méga merde pour le prochain tour. Bah, et ça dépend ce qu'il fait, hein. Oh là là, mais monsieur... Ah oui, non, pardon, c'est Wedge, excusez-moi. Il disait, putain, bonne règle, 3 légers, ça enlève pas le stress, au secours. Bien. Hop, pardon pour ça. Ça, c'est les petits bugs TTS, on adore. Ok. Oui, donc voilà, avez-vous vu les nouvelles concernant l'augmentation générale des prix de tous les jeux édités par AMG? Fonrig et Wedge,
Zoom dessus. Zoom. Si oui, qu'en pensez-vous? Ah, j'avais mis une prédiction de 20 minutes quasiment au début de la partie. Bah, on va la respecter, hein. Personne n'aura été. Bon, je vois que les paris sont assez équilibrés, hein, qui plus est. Vous êtes presque dans l'impartialité. Ouais, bah pas trop de surprise pour l'augmentation des prix. Ah, mais je parle pas de surprise, hein, je parle de votre avis. On s'en fout de la surprise. Ça n'a aucun intérêt. L'important, c'est ce que vous en pensez. Ça me fait chier, mais bon, je continuerai d'acheter quand même. Je vois. Ça fait chier, mais je me sens pas de râler. Ouais, ce sont visiblement deux avis très convergents. C'est le suivi qui m'inquiète davantage. Eh bien, ça y est, nous y sommes. Premier engagement. J'ai menti. C'est pas une augmentation assez haute pour me faire arrêter non plus. Moi, oh, mais c'est un G, mais alors d'une toute beauté, ça, hein, c'est. Oh, dis donc! 8 dés, 2 yeux, 6 blancs, 0 touche, 0 crit. Bien, 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 bien. Eh bien, écoutez, c'est un Oscar. Voilà. Et d'un autre côté, voyez, je dis que je déteste les as, machin, etc. J'ai tenté d'en jouer quelques-uns. Sur des parties, on se fait juste poutrer parce que le mec vous voit venir à 3 km parce que vous ne les avez pas joué. Ça arrive. Sur d'autres, il vous vient des éclairs de génie à répétition. Et là, vous vous retrouvez dans cette position-là et vous faites 8 blancs. Et vous vous dites, elle est quand même bien la vie. Parce que globalement, c'était probablement un de mes seuls tirs de toute la partie magnifique à ce point-là. Et il aura rien donné parce que visiblement, le jeu a décidé que ça donnerait rien. Et c'est terrible en fait. Alors, votre partie est pas perdue, loin de là. Mais dans les faits, le moral, il a déjà pris un coup, quoi. Voilà. Alors que 8 petits vaisseaux, s'il y en a un qui rate, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Alors, le suivant, il fera 2 touches, et puis voilà. Hello, il peut... ouais, la peur de gagner, c'est ça. Non, alors, effectivement, voilà. Pour ce qui est de l'augmentation des prix, moi, je vais être très franc. Le contexte fait que je suis prêt à ouvrir une porte pour dire que je comprends. Mais je ne comprendrai pas que les prix restent les mêmes quand la crise sera terminée. Sauf que, entre nous, est-ce que les prix vont vraiment diminuer et revenir à ce qu'ils étaient avant, quand tout sera terminé? Chacun son avis. Pour être tout à fait franc, l'histoire nous montre que ce genre de choses n'arrive pas. J'y crois. J'y crois pas 2 secondes, ah non mais les prix vont jamais baisser, voilà. Et donc de fait, vous savez c'est comme cette histoire de... C'est comme l'histoire des péages censés rembourser la création de l'autoroute quoi. Les péages ils sont toujours là, l'autoroute elle s'est remboursée. Hein. Voilà. Donc oui, ça pour le coup, vous voyez, c'est déjà une sorte d'abus hein, qu'on nous fout sous le nez là, d'une certaine manière. Ça me fera pas arrêter de jouer non plus. Mais... Disons que ça ajoute un peu de sel sur les. Ça ajoute un peu de sel sur le joli gâteau, quoi. Les péages, c'est pour payer l'entretien maintenant. Oui, ils l'ont justifié comme ça. Ils l'ont justifié comme ça. Alors, Leia a été utilisée. Hop, hop, hop. La demoiselle est passée à 0 charge. Je pense qu'ils gagnent déjà bien leur vie. Je suis pas tout à fait. Comment dire? Je vais pas arriver à trouver mes mots, du coup ça va donner un truc. Le début de la phrase donne quelque chose à quoi la phrase n'est pas censée ressembler, mais bref, je suis d'accord. Voilà. Effectivement, voilà. Ils ont l'air de bien s'en sortir quand même, quoi. 4 demi-tours, j'ai peur que Kylo fasse 5 tout droit. Ouais, ça me paraît cohérent. Voilà, moi je suis un peu. Bon, voilà. Effectivement, c'est une surprise pour personne que ça augmente. Est-ce que c'est normal? Je dirais que non. Est-ce que c'est grave? Je dirais que oui. Est-ce que je continuerai à acheter? Je dirais que oui, mais dans une moindre mesure, parce que bon, faut pas déconner non plus, quoi. Effectivement, le Vulture à 25 balles, au secours, quoi. Pour un jeu dont le suivi est
disons-le honnêtement, assez catastrophique. Si l'augmentation des prix ne vient pas avec une augmentation de la qualité des services, très honnêtement, ça fait chier. Ça fait chier. Pour être honnête, hein. Je ne crois pas 2 minutes en un projet qui se base sur payer plus cher pour rien, quoi. Ça n'existe pas, ça ne marche pas. Alors, je crois que notre cher Ahsoka a donné une action à Wedge, mais ce faisant, elle devrait avoir 2 forces en moins. Chose qui n'est pas encore mentionnée. De fait, j'ai. Serait-ce un nouveau tour de tricherie non assumée de ce cher Darth Hunter? Ah, le petit bug TTS encore, on adore. Non, on est d'accord que Wedge il a un token. Ah, ce sont ses ailes! Autant pour moi. Bon, il triche, mais voilà, là il a pas triché. Au fait, match des points le 9 septembre, des nouvelles. Bah écoute, tu me sembles bien courageux. Je sais pas si c'était toi la dernière fois qui était. Qui avait l'air aussi. Comment dire? Intéressé. On n'aura pas le 9 septembre, mais attends pas les. On n'en aura pas le 9 septembre, mais attends pas les points le 9. J'ai pas compris. Ils vont annoncer la date de quand ils vont sortir les points à tous les coups. Oui, c'est vrai que c'est le pari, ça. C'est vrai qu'en ce moment, c'est le pari. Qu'est-ce qu'on va avoir le 9 septembre? Une date? Alors, les points, non. Une date pour les points? Une approximation d'une future date pour les futurs points? Rien du tout? Ah, si on pouvait maintenir un pari ouvert sur plusieurs jours, croyez-moi que je le ferais, hein. Ça m'intéresserait énormément de savoir à quel point le. Quelle quantité de gens vont être déçus. Et quelle quantité de gens du coup avaient prévu l'inévitable. Bon, vous avez vu tous le Razor Crest, je présume. Si vous ne l'avez pas vu. Oh, excusez-moi, j'ai spoilé. Mais en même temps, bon voilà. Ça semblait plutôt évident. Bon. Eh bien, pas de tir, hein. Voilà. J'ai parlé un peu vite. Ah, double vierge pour notre ami dans le ghost. Et c'est les rouflaquettes qui obscurcissent un peu la vue, je crois. Oui, j'ai un peu hâte de savoir la mécanique du Razor. Crest, j'avoue. Ouais, moi aussi en vrai. En fait, on y réfléchissait là avec des collègues. En vraie sortie V2, on parle pas des reprints, hein, on parle des vaisseaux originaux sortis en V2. Pour les scums et le faucon. Au revoir, c'est tout, y'a que ça. Y a rien d'autre. Y a aucun autre vaisseau scum de V2. De V2. De X-Wing 2.0 qui est vu le jour en 2.0. À moins que j'ai raté quelque chose, auquel cas je vous invite à. Le TIE minier. Alors tout le monde me dit qu'il venait de V1. J'étais persuadé qu'il venait de V2, mais apparemment tout le monde me dit qu'il venait de V1. Vaisseau de secours en plus du Faucon. Oui, bon, écoutez, si c'est pour jouer sur les mots. En même temps, c'est normal, la moitié des améliors des autres packs peuvent être abusés côté scum. En même temps, c'est normal, la moitié des améliors des autres packs peuvent être abusés côté scum. Non, TIE minier V2. Ok, bon, c'est bien ce que je pensais. Alors, du coup. Je reviens sur l'idée que j'avais avant la conversation que j'ai eue l'autre jour. Deux vaisseaux scum pour la totalité de la deuxième version. La moitié des améliorations des autres packs peuvent être abusées en côté scum. Alors pour moi, ça c'est une. Pour moi, ça c'est une énorme erreur de parcours. Pour être tout à fait franc, des paquets qui contiennent des cartes qui sont jouables en scum pour aucune raison. Ou en tout cas qui dénature une faction sous prétexte qu'on veut on veut rendre la carte multifaction. Et du coup, la plupart du temps, effectivement, ce sont les scums qui en bénéficient. Ça, j'avoue que
Je trouve que c'est une énorme erreur de design, pour être franc. Si tu vas par là, l'Empire n'a eu que le taille brute, et les rebelles, rien, il me semble. Je n'ai pas dit le contraire. Je suis tout à fait d'accord. Je dis juste qu'effectivement. Alors oui, effectivement, l'Empire. Alors attends, l'Empire, tu me disais que le taille brute. Ouais, ça paraît effectivement sensé. Et les rebelles, rien. Ouais, ils ont eu beaucoup de pilotes. Pas beaucoup de vaisseaux, effectivement, ouais. Ça ferait 1, 1 et 0. Donc potentiellement un nouveau vaisseau rebelle? Non, ça m'étonnerait. Absolument pas. Là où effectivement c'est assez incohérent aussi, c'est que. Enfin, incohérent, on s'entend. C'est que ça reste quand même un vaisseau. Alors, Léa a regagné une charge au passage, hop, que j'oublie pas. Ça reste quand même un vaisseau. Enfin, je veux dire, pardon, ça reste quand même la faction qui possède le plus de vaisseaux dans le jeu, de manière genre incontestée. Mais pour les deux en termes de fluff, c'est pas illogique. Mais j'ai pas dit que c'était illogique, et au contraire, en fait, c'est-à-dire que mon opinion, ma pensée est un peu obscurcie, parce que effectivement, je trouve que c'est absolument magnifique de considérer dans le lore que. Ben voilà, Zamwezel, c'était une chasseuse de primes, et que même si on la voit bosser pour l'Alliance, ben, ça reste une chasseuse de primes, par exemple. Django, c'est pareil. On va bosser pour l'Alliance, mais est-ce que oui, c'est un chasseur de primes, quoi. Voilà, on est d'accord. Et d'un autre côté, à faire ça, bah le jeu est moins beau, quoi. Après, c'est normal que les nouvelles factions aient beaucoup de choses, ils ont 8 ans de sortie à rattraper. Non, mais ça, on est évidemment d'accord. Le souci n'est pas là. Le souci n'est pas là. Le vrai souci du jeu pour moi, en termes de sortie, c'est qu'elles ne sont absolument pas équilibrées en termes de nombre et en termes de qualité. Même si, lors de la dernière sortie, on s'est retrouvé avec. Donc voilà, typiquement, prenons les sorties séparatistes et républiques de la dernière vague. V-Wing et TIE. L'un des deux n'est pas joué, l'autre, ça va. C'est OK. Séparatiste, le. Comment il s'appelle ce truc-là? Le Firespray, et. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, le Trichasseur. L'un des deux est beaucoup trop joué, et dénature la faction, d'ailleurs, au passage, mais ça c'est une interprétation. L'autre, jamais vu, inconnu au bataillon. J'ai peur que ce soit pareil pour le FO. Là, le prochain pack, j'ai peur qu'on ait un des deux vaisseaux qui soit trop joué. Ou en tout cas jouer. On va dire que dans une moindre mesure, c'est une bonne chose, jouer avec excès, trop jouer. Et que tu sois que t'es l'autre qui soit complètement à l'abandon parce que mal positionné en termes de prix, mal positionné en termes de. Bon, c'est vrai que par les prix, il n'y a pas grand-chose qui peuvent mal le positionner, mais bon, pourquoi pas. Là où je suis encore plus inquiet, parce que le FO m'inquiète, mais là où je suis encore plus inquiet, c'est pour la résistance. Si le Y-Wing est une déception monumentale, ça va faire mal, hein. Ça va faire très très mal parce que la résistance, toujours pareil, hein, encore une fois, le rythme des sorties est tel aujourd'hui que quand vous avez un pack qui sort, vous savez que pour la faction pour laquelle vous avez un pack qui sort le jour J, et dans 10 ans, enfin votre prochain pack, vous l'avez dans quoi? Dans un an? Un truc comme ça? Donc le vrai problème. Le vrai souci, c'est qu'au final, si l'extension du Premier Ordre et ou l'extension de la République, pardon, pas de la République, de la Résistance, sont gâchées en termes de ce qu'elles contiennent, tout simplement, ben, les gars, je suis navré de vous dire que si vous êtes joueur Premier Ordre, vous vous contenterez de ce qui existe et puis ce sera tout, hein. Il n'y aura rien, hein. Vous continuerez à jouer avec votre Malarus et vos tailles FO, à mettre un ou deux tailles SF histoire de faire genre, voilà. Et globalement, ce sera à peu près tout. Ça va s'arrêter là. Après, pour le FO, je pense pas que. En fait, disons que le FO risque de tomber dans ce piège très facilement tendu du je vais mettre plein de bombardiers avec plein de bombes et on va bien rigoler. Et globalement, la faction risque de perdre complètement son identité. Mais d'un autre côté. Voilà quoi. Au moins les vaisseaux seront utilisés. On va dire ça comme ça. Bien, et ben, malgré tout, chers amis, c'est Kylo qui prend deux boucliers, excusez-moi, pardon. Kallus qui a réussi à le choper, et ça fait deux boucliers. Le Whisper va être super chaud à équilibrer, mais m'étonnerait qu'ils y arrivent du premier coup. Bien, moi j'ai envie de te rappeler cette
cette triste histoire du Nantex, parce que bon, les chasseurs ne sont pas tant comparables que ça, mais ils sont tout de même un minimum proches en termes de synergie et de fonctionnement l'un de l'autre. Le vrai souci étant donc que le fonctionnement de l'un va probablement être plus ou moins calqué sur le fonctionnement de l'autre. Et le vrai souci face à ça, c'est que enfin, j'ai pas besoin de vous faire un cours pour où en est le Nantex dans la méta aujourd'hui, hein, et qu'est-ce qui l'a bousillé 2 semaines après sa sortie, quoi. La résistance, on trouvera bien un truc à jouer. En fait, le problème de la résistance, c'est que on trouvera bien un truc à jouer, c'est la phrase qui résume globalement la faction, en fait. C'est-à-dire que t'optimises un truc un peu à la con, et en fait, comme la résistance de manière générale tanque mieux, à plus 2, à moins 2, etc. Bref, insérer ici des trucs qui de manière générale correspondent à la résistance, parce que ça marche très bien. Bah, la résistance, elle s'en sort. Elle s'en sort, voilà. Y a pas de, elle s'en sort bien, elle s'en sort moins bien, elle s'en sort, voilà. On trouvera bien un truc à jouer. En vrai, je pense que s'il fallait mettre un sous-titre à chacune des factions de X-Wing, on trouvera bien un truc à jouer. Je pense que c'est le truc qui résume la faction, pour être tout à fait franc. C'est ce qu'on fait depuis le début. C'est ce qu'on fait depuis le début. Les gens qui jouent résistance, on tournera à faire un tout droit tranquille. On retournera à faire un D1 tout droit tranquille, voilà, c'est ça. Ah oui, Malarus. Ah oui, d'accord, ok. Oh, des dégâts. Bonsoir, les gars. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Oui, effectivement, des dégâts. Incroyable. On croyait que ça n'arriverait plus. Cela dit, excusez-moi, parce que Calus avait perdu un bouclier quand même. Aucune idée de comment c'est arrivé. Trop occupé à discuter. Et Kylo, notre cher ami Leia qui est à 2. Le critique de Kylo a été utilisé. Alors, I'll show you the dark side, que je vous montre. Hop là. Lorsque cette carte est assignée, évidemment elle est assignée sur un vaisseau ennemi. Là, je sais pas pourquoi c'est pas le cas, mais elle est sur Calus. Que vous le sachiez. S'il n'y a pas de carte de dégâts face visible sur cette carte, le player qui vient de l'assigner, autrement dit le joueur qui joue Kylo, donc cette fois-ci c'est Charles, cherche une carte pilote dans le deck de dégâts de l'adversaire, donc de Benoît, et de fait, il en prend une, puis remélange le deck. Et lorsque normalement Calus devrait subir un dégât critique, eh bien il subira le dégât qui est sur la carte en question. Notez que cette capacité ne précise pas qu'il faut qu'on passe, comment dire, qu'il faut qu'on ait passé les boucliers, etc. Si un dégât critique est subi et qu'il est censé par exemple aller sur un bouclier, le dégât critique est quand même subi. Il est annulé par les boucliers, mais il est quand même subi. De fait, la carte sera quand même donné au vaisseau au lieu de perdre le bouclier. Et la carte, ce sera pilote aveuglé. Pilote aveuglé, pourquoi? Tout simplement parce que Saw Gerrera sera alors caduque et de fait inutilisable. Voilà. En vrai, j'ai jamais trouvé que la résistance et les rebelles sont vraiment proches en termes de gameplay malgré des vaisseaux très similaires. Je crois pas avoir dit ça. Saw. Oui, Saw. Ah oui, Saw, oui, pardon, il s'est saut la gueule, oui, excusez-moi. Tout à fait. Ah, bah, absolument. Ah oui, d'ailleurs, non, Saw c'est un dégât classique, hein, oui, c'est ça. Donc, non, ça fera pas trigger notre ami Kylo. Ce serait rigolo, mais non. Et les scums, la phrase d'accroche c'est Eh, ça a l'air bien chez les voisins. On prend. Alors, je pense qu'il y a mieux, mais effectivement, c'est rigolo. Vu comme ça, c'est rigolo, effectivement. Après, J'approche ma philosophie comme ça parce que j'aime bien jouer à peu près tout, donc je trouverai quoi qu'il arrive un truc fun à jouer et différent du reste des factions. C'est plus perso ça. Je comprends. J'ai tendance à avoir un peu de mal avec les listes méta qui sortent du cadre de ma faction. Et en même temps, donc l'alliance séparatiste, et en même temps, je veux pas foutre les pieds sur un Jango Zam. J'ai essayé, c'est rigolo, c'est inintéressant, comme toute liste double Firespray, hein, au passage, pardon à ceux qui ont déjà joué ça et qui adorent, je suis vraiment navré, mais c'est pas une liste fun à jouer, quoi, ça n'a aucun intérêt. Et objectivement, c'est pas drôle, quoi. Je sais pas comment on prend du plaisir à jouer ce truc-là. Mais voilà, donc moi, effectivement, tout ce qui est faire de la compète, ouais, je trouve ça cool, mais si c'est pour jouer autre chose que les lances séparatistes, j'ai un peu de mal. Je suis d'accord, les rebelles sont plus axés synergie que la résistance. Les scums, c'est les gars qui piquent le wifi du voisin. Ouais, c'est exactement ça.
Et type, il te menace au couteau pour avoir ton mot de passe et puis ensuite il te pique ton wifi, ouais. C'est exactement ça. Bah, disons que pour moi, les rebelles et la résistance, hormis les vaisseaux, les châssis en eux-mêmes, hein, et on peut du coup à quelques vaisseaux près inclure également la République dans ce cas, on a effectivement les mêmes vaisseaux, quoi. Y-Wing, Ark pour deux factions en question, A-Wing, etc., etc. Mais en vrai, je trouve que la résistance a des capacités intéressantes, mais qui sont plus solitaires. Et l'Alliance Rebelle, pour le coup, a des capacités qui dépendent les uns des autres, quoi. Tout le monde s'appuie sur le voisin. Le voisin étant parfois un mec qui fait quasiment tout seul, le voisin étant un mec qui parfois a besoin de soutien lui aussi. Et voilà, c'est pas tellement le cas dans la résistance. Dans la résistance, tout le monde prend appui sur l'autre, mais chacun est indépendant. Pas si c'est tellement clair comme ça. Gros, on peut concevoir des listes où tout le monde a un rôle à jouer sans que personne n'ait besoin chacun de l'autre. Mais quand vous réunissez toutes les capacités ensemble, ça fait un truc qui est monstrueux. Moi, c'est comme ça que je vois la résistance. Avec l'énorme écriteau, on gère notre stress comme personne. Voilà. Parce qu'effectivement, résistance, premier ordre aussi, mais résistance, la résistance fait également énormément office de comment ça s'appelle? De gestionnaire extrêmement polyvalent de son stress. C'est des super-héros. Voilà, à la grande époque, Elo-ST, Kovaleya, ce genre de trucs, quoi. Ça, c'était l'époque où j'aimais bien la résistance. La liste était forte, là. Elo. Ah non, c'était Zizi, je crois. Elo, Zizi. Comment il s'appelle ce con? Finn, et puis Kova. Ça avait de la gueule. Ça a de la gueule. La liste était trop forte à l'époque, je trouve. Il n'y avait pas grand-chose qui pouvait lui rouler dessus. Comme elle roulait sur les autres, j'entends. Ah, Tali, peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. C'était peut-être Tali alors à la place de Zizi, je sais plus. Ah non, mais Zizi n'était pas sortie, si. Zizi, elle est sortie avec Tali ou elle est arrivée plus tard? Non, ça devait être Tali alors, du coup. Elle était plutôt moyenne dans la Meta Worlds. Ouais, mais là, pour le coup, j'ai envie de dire que ça, pour le coup, c'est pas vraiment quoi que ce soit. Zizi était pas sortie, ok, donc c'était bien Tali alors, pardon. My bad. Mais là, pour le coup, tu vois, quand tu me dis Meta Worlds, je pense aussi Meta XTC, quoi. C'est-à-dire que, en soi, tout le monde venait avec un truc un peu bizarre pour essayer de battre le truc bizarre de l'adversaire, et en se disant que si le mec venait avec un truc classique, bah, il se ferait péter le cul par mon truc bizarre. Moi, j'avoue que je suis. Bon, je pense que Meta Worlds comme Meta XTC, c'est pas vraiment des méta en elles-mêmes, quoi. On est plus sur une espèce de public de niche dans le public de niche qui est déjà X-Wing, quoi. Mais je comprends ce que tu veux dire, cela étant. Alors, Wedge nous a perdu un bouclier. Comment qui s'est-il démerdé, cet enfoiré? À travers un nuage? Aïe, 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 aïe. Putain, tu parles d'un héros de la résistance, pas foutu d'esquiver à travers un nuage, quoi. Ok. Tac, 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 parfait. Curse you, Red Baron. Mais oui, après, bon, voilà. Malgré sa force, j'aimais bien cette liste. J'adorais comment elle bougeait. C'était trop bien. Kovaleya, c'est un bonheur. Voilà, puis j'avais aussi un pote qui jouait énormément Nodine, qui a fait découvrir à beaucoup de monde d'ailleurs. Tous ceux qui l'ont affronté au moins une fois ont découvert le combo Nodine C3PO. Voilà, ils en sont pas revenus la première fois qu'ils ont. Attends, comment ça t'as trois calculs, t'as pris un verrouillage et t'es juste une fois stressé? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Magnifique. Ça foutait une ambiance de feu, quoi, dans les parties. C'est-à-dire qu'il fallait un juge attitré pour chaque partie qu'il faisait, parce que t'avais toujours le mec en face qui était en mode non, mais ça marche pas ton truc, c'est pas possible. Ah si si. Ça a même été conçu pour ça. Mais voilà, c'était rigolo. Le transport, j'en ai soupé. Parce qu'on avait quelqu'un là où on joue qui jouait énormément Kovaleya. Et le côté emmerdant de ce vaisseau, c'est qu'elle lance 2 dés de défense, quoi. Et ça, c'est insupportable. Ça, c'est insupportable. Mais ouais, non, c'était une liste rigolote. Une liste sympa. Avec, encore une fois, un peu de variation, quoi. Un wing, un transport, un X-wing, et un module. C'est classe, quand même. Ça a de la gueule. Voilà, soyons honnêtes. Ça a de la gueule.
Là, aujourd'hui, les listes de la résistance, bon, pardon mon cher Alaïdar, mais 3 X-Wing qui tankent comme pas possible et deux potes qui profitent de tout. Bon, voilà quoi. Non, en vrai, la liste est bien, elle est parfaitement optimisée, elle est. Disons que si c'était une toile, elle serait très belle. Elle serait très belle cette toile, très honnêtement. Je pense que c'est juste le côté. On l'a vu, re-revu et re-revu. Bon voilà, c'est juste ça. Moi, c'est ça qui m'embête aujourd'hui. Mais de manière générale, comme toutes les listes qu'on peut voir beaucoup, les Kylo Ren Reg ne font pas partie de cette définition-là. Voilà, on l'a vu une fois gagner un tournoi. Et c'est tout, c'est juste que effectivement voilà, c'est un style de jeu qui moi me correspond pas, donc forcément j'aime pas. Mais la liste résistance en vrai, elle est très très bien. C'est juste qu'effectivement, voilà quoi. On l'a trop vu. Mais bon, comme je disais, voilà, on a tout trop vu de toute manière. C'est fait une méta de plus de. Ben voilà, on est sur la même méta depuis plus d'un an, quoi. Forcément, à un moment, dans un jeu qui tire son épingle par son renouvellement constant de la méta. Avoir la même méta pendant un an et plus, c'est plus qu'une action suicidaire à ce stade. Moi je l'aime bien cette méta. Ah, moi je peux pas la blairer. Mais en fait, c'est pas que je n'aime pas la méta actuelle. C'est qu'en fait, ce n'est pas possible d'aimer la méta actuelle puisque ça fait plus d'un an qu'elle est installée. Voilà. Il faut que ça varie en fait. Moins que celle de milieu 2019, si dit. De quoi? Ah oui, ah non, celle de milieu 2019 pour moi c'est la période phare. Ce qui me fait peur c'est que c'était la période phare et dans ce genre de cas on appelle ça l'apogée. Et le problème c'est que juste après l'apogée vient le déclin. Donc du coup j'ai très très peur qu'on soit en plein dans le déclin là. Parce qu'effectivement cette Meta Worlds elle était mais incroyable. J'ai surkiffé. Qui se souvient de 5 Inki? Bah tout le monde je crois, puisque c'est une liste hyper. Ah ça attend, 5 Inki du méta 2019? Ah ouais. Alors ça je me souviens. Quoi, 5 Inki Foresight? Non, 2021. Mais non, c'est pas 5 Inki. Ah si pardon, 5 Inki et 6 Barons, excuse-moi, ouais, pardon. Oui, bah oui, n'importe qui l'a affronté. C'est un PTSD vivant cette liste. C'est un enfer sur Terre, c'est pas drôle, c'est chiant, c'est nul, voilà, c'est tout. Je pense que n'importe qui l'a affronté plus d'une fois se souvient de la merde que c'est cette liste. Oui, je pense, honnêtement. Hein. En vrai, 5 Inki, c'était top liste au début. Ça ne l'est plus maintenant. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a aussi cette notion de passivement et de manière un peu. Pardon, pas subjective, mais inconsciente. Les gens arrêtent de jouer les listes fortes sous prétexte que t'as des gens qui vont bannir les listes ou certaines cartes de leur tournoi, machin, etc. Ce qui en soi est une aberration qui prouve bien que. Les gens en ont marre de certaines améliorations. Et du coup, je me dis qu'en fait, là, voir des gens jouer autre chose que des listes qui gagnent tout déjà, en fait, ça n'a pas vraiment de sens en soi. Ça n'a pas vraiment de sens parce que la seule chose qu'on peut en déduire, c'est rien. Ça, c'est une question de popularité. J'y crois pas une seule seconde. De ces gens qui arrêtent de jouer les listes qui gagnent, sinon on verra plus Jangoza. Il faut jouer Django Sun. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis complètement d'accord. Personne joue la liste. Ah, mais au contraire. Non, mais dans ce cas-là, personne ne doit la jouer. Que tu sois le seul à la jouer. Évidemment. Bon, c'est pas le cas, puisqu'on est deux au moins. Mais voilà. Après, j'ai toujours eu du mal avec la notion de méta. Ça promeut trop souvent le suivisme. Et les listes montent et redescendent pour des raisons pas toujours très rationnelles. En fait, moi, j'aurais tendance à dire que. Le jeu. Alors. Là ça va, là c'est un sujet clivant, hein. Vous allez pas du tout aimer ce que je vais dire, mais un jeu qui crée des cartes pour être des cartes filler, exemple le brouilleur tactique, quand vous défendez à travers un gros socle allié, vous gagnez un dé supplémentaire. Qui a déjà vu cette carte en jeu? Bon, évidemment il y a forcément un clampin qui va me dire qu'il l'a déjà mise dans une liste, mais bref, vous allez être 1 sur 1 million. Donc pour être franc, voilà. Moi, un jeu où on me dit il y a des cartes qui sont obligatoirement créées pour être des cartes filler et où il y a des cartes qui sont obligatoirement créées pour être des mauvaises cartes, pour moi, c'est un jeu qui assume pas. Voilà. Je veux dire, comment dire, enfin, à ce stade, c'en est ridicule. Voilà, c'est tout.
deux infiltrateurs Grivou, j'avais vu le faire sur un décimateur, joué aussi, voilà, bon, évidemment, tout le monde va me dire qu'il l'a déjà joué, mais vous êtes des gens cultivés, voilà. Voilà, on est là en train de discuter, vous êtes des gens cultivés, voilà, c'est tout. Eh ben, Kylo va perdre sa moitié sur un jet à une nouvelle fois monstrueusement dégueulasse en défense. Pendant qu'on discute. Hop là! Bah écoutez, des gens qui jouent beaucoup trop surtout. Non mais au moins ça c'est agréable, vous voyez? Ça c'est agréable parce qu'on se dit, bon voilà, il y a des gens qui ont tout essayé quoi. Et c'est rigolo. Mais en soi, vous comprenez l'argument quoi. C'est-à-dire qu'il y a des cartes, vous ne les verrez jamais, vous ne les avez jamais vues. Vous les connaissez parce que vous connaissez toutes les cartes du jeu, parce que vous jouez depuis un moment. Mais en soi, un nouveau joueur qui arrive, tu lui dis « Ah tiens, telle amélioration, quoi ?» Ah oui, non, c'est évident. Voilà. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage. Et pour moi, la méta devrait, de temps à autre, rééquilibrer un peu ce genre de cartes. Et en soi, eh ben, ça marche pas trop mal. La dernière mise à jour de points, avec les codes de transpondeur falsifiés, qu'évidemment, on n'aime pas du tout, pour une raison très, très simple. Ça coûte 2 points, c'est beaucoup trop fort, pour ce que ça fait. Néanmoins, Jabba est revenu dans la méta. Et ça, honnêtement, j'en parlais avec un ami depuis très très longtemps, j'adorerais revoir Jabba un jour. Voir Jabba un jour, pardon, parce que revoir, moi j'étais pas là pour le voir une première fois, si toutefois il a déjà existé. Mais je suis ravi de voir Jabba. Alors évidemment, c'est une liste insupportable hein, qui l'emmène. Je suis ravi de voir Jabba. Ça me fait très plaisir, parce que je l'avais jamais vu jouer. Et que ça fait plaisir qu'il soit enfin dans des listes. Voilà. C'est à peu près tout. Donc ce genre de concept là, où on prend une carte pas très forte, et indirectement ou directement, on lui octroie quelque chose qui va faire qu'elle devient plus forte, ça oui. Donc on pourrait continuer à le voir avec Overtuned Modulators. Alors je suppose que tu parles d'une des nouvelles cartes qui va sortir avec, je sais plus si c'est Louis Weber, les Y-Wing de la Résistance, carte que j'ai lue et que j'ai oubliée, parce que c'est vrai que des annonces officielles sur Twitter, ça reste quand même des superbes annonces officielles. Ça, faut le dire aussi. Voilà. Finalement, quelle est l'utilité de créer un forum où on poste les messages, les cartes, etc. Si, au final, c'est pour faire des annonces officielles sur Twitter. Mon article arrive. Ah, bah écoute, je lirai une nouvelle fois ça avec un immense plaisir. Voilà. Comprenez bien que quand je dis officiel, je dis... Voilà. Officiel, quoi. Bien. Pub. Wedge a perdu son strain sur la défense contre Kylo. Je pense que ça va pas avoir tellement d'intérêt que de le leur faire constater maintenant, pour la bonne et simple raison que Wedge risque de faire du bleu. Si ce n'est pas le cas, on leur fera remarquer, mais à mon avis, il va faire du bleu puisqu'il est stressé également. Et bonne remarque. Wedge Midlife. Ah oui, ça par contre, j'avais pas vu. 8. Hop là. Ah, la moitié de Wedge contre la moitié de Kylo, c'est pas la même histoire. Hein. On est sur des choses un peu différentes quand même, hein, en termes de points. Eh bien, il nous reste 25 minutes à jouer, un petit peu plus. Mais oula, ça c'est audacieux. Bravo monsieur, mais c'est audacieux. Ah oui, c'est vrai qu'il peut quand même faire des tonneaux et des barrels. Des tonneaux et des barrels. N'importe quoi. Des tonneaux et des accélérations. Wedge entier qui fait moins de la moitié de Kylo, c'est beau. Ah, c'est beau. Pourquoi se mettre ici? Le bullseye apporte-t-il quelque chose? Réponse, non. Donc... Voilà, comme quoi, il a enlevé les deux, donc tout va bien. Ah! Alors du coup, ça veut dire quoi? Von Reich fait un inséré sur la droite? Si c'est ça, c'est magnifique. Voilà.
Alors, à quoi va-t-on avoir droit? Ok. Et là, dans cette situation, on adorerait que la capacité ce soit verrouillage ou accélération, bordel! Mais non. Ce n'est pas le cas. Ça va encore être un tour peut-être un peu difficile hein, pour le premier ordre, Kylo qui est pas en superbe posture. Ouais, j'ai perdu la moitié comme vous l'avez si intelligemment fait remarquer. Mais néanmoins, comme quelqu'un d'autre hein, le faisait également intelligemment remarquer, voilà, Wedge en entier, ça vaut même pas la moitié de Kylo, donc il va falloir assurer le coup. Je serrerai les fesses à la place de Kylo là. Ouais, je suis assez d'accord. Deux pour Ahsoka et deux pour Kylo. Le serrage de fesses a payé. Après, c'est vrai aussi que de manière générale, je considère un peu X-Wing comme un jeu de cartes, plus que comme un jeu de figurines. Évidemment, votre capacité à jouer les vaisseaux que vous apportez est ce qui va vous faire gagner. Mais, malheureusement, en apportant n'importe quoi et en jouant comme un dieu, vous ne pouvez pas gagner contre quelqu'un qui a une très bonne liste. Et alors, qui joue tout aussi bien que vous, c'est sûr et certain. Qui joue moins bien que vous, ça arrive. Donc voilà, je trouve que ça, pour le coup, c'est le côté un peu dommage parce que pour moi, X-Wing est avant d'abord et avant tout un jeu de cartes. Attendez, parce que... Oh, ah oui, non, si, je suis con. Ok. Donc voilà. D'abord et avant tout, votre objectif, c'est de créer une liste. Un deck, si vous voulez. Avec suffisamment de cartes qui permettent de faire des choses bien, machin, etc. Tactique, placement, chance. Tactique, placement, chance. Je veux dire quoi, ça résume les trois aspects du jeu? C'est pas mal résumé, en vrai. C'est pas mal résumé. Les As, justement, ça se pratique, on s'improvise pas joueur d'As. C'est vrai aussi. Mais pour être tout à fait franc, ça marche pour tout. On a très souvent tendance à dire que jouer As, ça s'improvise pas. Mais en vrai. Alors, déjà, il y a un avis contradictoire qui dit que quand tous les deux vous jouez aussi bien As, c'est le joueur le plus imprévisible, justement, qui va gagner. Donc le joueur qui va faire des trucs qui ne sont pas normalement des trucs que font les As qui va gagner. Et pour être tout à fait franc, je vois pas pourquoi on ne généraliserait pas ça en disant les bifs, ça s'improvise pas, etc. etc. Les nuées, ça ne s'improvise pas, ça se travaille, etc. etc. Top 4, j'ai Joust, Saber, avec Jango Sun. Et. Pardon, je sais plus à quoi tu réponds. S'improvise pas joueur d'As. Non, ça paraît bizarre que tu répondes à ça. Après, il y a aussi un truc qu'il faut que tu prennes en compte, c'est que un avis sur 1 million, c'est une goutte d'eau, quoi. Même si c'est un top 4. Là, c'est magnifiquement passé, et d'ailleurs, il y a encore félicitations, hein, si vous ne le savez pas. Over 2 a été contraint de laisser sa place en finale, mais le type aurait gagné, hein, voilà. Ils ont participé au tournoi de Milan. Ce brave homme aurait remporté le prix sans aucun doute. Il serait allé chiper la première place aux Italiens. Sorte de petite revanche du XTC, évidemment. Mais malheureusement, les avions sont des choses que l'on ne peut pas rater, donc voilà. Alors, Calus qui réduit un peu la distance sans pour autant se fermer des angles à travers lesquels Kylo pourrait passer. Ahsoka qui se met dans une bonne position pour potentiellement bloquer d'ailleurs au passage.
Au passage, Ventress, lol, et qui prend une esquive. Donc du coup, qui, je présume, a perdu son stress, puisqu'elle ne devrait pas être stressée à ce stade. Voilà, peut-être d'ailleurs un tir sur Vonreg. Voilà, à venir. Le stress est resté collé au vaisseau, allez savoir pourquoi. Il n'est plus là, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Tout va bien. Kylo Ren. Oh, 5 tout droit. Ça me semble. Ça passe sur le Cailloux? On va le savoir. Oh oh oh! Well played, Charles. Merci beaucoup pour ce play. Absolument incroyable. Au passage, 23, putain, je te la pique. Je vais être horriblement lourd avec. Écoute, c'est cadeau. C'est cadeau! Ça me fait plaisir. Petite accélération. Bravo, monsieur. Ok, Kylo, ça va. Ce tour-ci, on est. Enfin, jusqu'à la manœuvre de Wedge, en tout cas. Et Wedge nous fait un. Oh. Ah, il ferme les ailes. Intéressant. Ah, ça a été réglé ce problème de token? Non. Ah non, je suis bête, le token et la figurine sont synchronisés. Oui, non, 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 ça n'a toujours pas été réglé. C'est quand même dommage que ça dure ce bug, hein, parce que ajouter les nouveaux vaisseaux alors qu'ils sont pas sortis, c'est mignon, hein. Je dis pas le contraire, hein. Mais régler le problème des ailes pour ce qui est censé être le vaisseau phare du jeu, quoi, le X-Wing, hein, c'est quand même le vaisseau qui a donné le nom au jeu, quoi. Enfin, sans vouloir. Hein. Pour les HM. Je sais plus si pour les HMP il est buggé ou pas. Mais pour les T-65, les T-70, ils sont buggés. Les U-Wing, je sais pas. En tout cas, pour les X-Wing, c'est sûr et certain. Ce serait intéressant de régler ça quand même, je trouve. Ok, Van Rek qui va en rester là et prendre une concentration. Ok. Ok, Wedge n'est pas dans l'arc, ça c'est malheureux pour notre ami du premier ordre. Mais du coup, on peut se permettre de tirer sur cette chère Ahsoka. Ah oui, il consomme, effectivement, on est en retard de points, donc il nous faut des points. Sauf que Ahsoka, bah écoutez, Ahsoka elle s'en sort très très bien. On n'arrive pas à trouver l'esquive, mais elle y est, c'est pas un problème. Voilà, trois esquives, le G-stat parfait, une évade, un œil, un blanc. Et avec l'esquive et la force, on s'en sort parfaitement. Putain, il s'arrive en plus. C'est pas magique ça. Allez, Ahsoka 2D. Ouais, c'est un petit critique. Il n'y a que 2 dés en défense pour Von Reg. Et on est sur. Ah, Lone Wolf. Et puis quand même un bouclier, voilà. Hop là, c'est vrai que Lone Wolf ça reste quand même moins puissant quand on n'a pas derrière quelque chose pour convertir justement l'œil qu'on obtient potentiellement. Alors, ça c'est notre cher ami Ren contre. Et contre Calus. Il a pris un verrouillage ce brave homme, donc ça va faire une relance pour le blanc. Oh, très joli. Et il y a un critique! Voilà. Et ça, c'est important. C'est important. Alors, quoi qu'il arrive, il faut lancer le dé de défense, ça c'est une certitude. Alors, oui, il a modifié les dés, donc il a un dé de défense. Voilà. Alors, c'est un vierge, donc ça fait 3 touches. Et le critique qui passe du coup. Bon, dommage. Moins bien optimisé que ce qu'on aurait pu penser. Dans le sens où on aurait pu faire passer le critique sous les boucliers, etc. Maintenant, l'un dans l'autre. Blinded Pilot. Du coup, de la part de Kylo, merci monsieur Kylo pour ce très joli crit. Et puis voilà. Ok, donc Saw Gerrera, maintenant c'est l'histoire ancienne. Alors pourquoi est-ce qu'on fait tourner la carte? Ça c'est intéressant. Un petit tour gratuit. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Ok. À ce stade, il reste 15 minutes. Le score est de 61 Benoît à 27 pour Charles. En termes de points, maintenant, commençons à nous intéresser un petit peu. La moitié de Calus, c'est 45.
Avec 45, on passe à 67, 67, 60, 72. Donc avec la moitié de Calus qui... oula, attendez. 11 et 4, 15. Il faut faire 8. C'est ça, 8 et 8, 16. Donc c'est ça, ouais. 15. Papa, il en a déjà fait 5. Il lui reste 3 dégâts. Ok. S'il arrive à faire passer 3 dégâts sur Calus et à se barrer, il a la victoire. En dehors de ça, tuer Wedge ne suffit pas. Donc en fait, la winning condition, là, elle est plus ou moins claire. Hein. C'est prendre Calus. Enfin, la moitié du moins. C'est ça. Il faut sauver le soldat Calus. En tout cas, pour Benoît, ça va être probablement l'objectif des prochains tours, hein, tout simplement, s'il veut stabiliser ses conditions de victoire à lui, c'est-à-dire ne pas perdre grand-chose. Et ne pas perdre. Oui, non, bien sûr! Et ne rien perdre en contrepartie, hein, évidemment. Midlife on reg, ce serait catastrophique. Non, non, on est d'accord. Hein, en contrepartie, il ne faut rien perdre, évidemment. La question que je me pose, c'est pourquoi amener Leia et Ahsoka dans la même liste, sachant que si Leia est utilisée, Ahsoka ne l'est pas. Est-ce que c'est pour genre faire 2-4 demi-tours d'affilée, par exemple, ce genre de truc? Le premier, on a le droit à une action parce que Leia, le second, on a le droit à une action parce que Ahsoka, par exemple? Je sais pas. Est-ce que ça fait pas too much? Von Reg à un point de la moitié, effectivement, ça te met pas bien. Maintenant, donc si Von Reg perd la moitié, on passe de 61 à 61 et 34, ce qui nous fait 95. Est-ce que tuer Wedge et prendre la moitié de Calus, ce serait suffisant? Ça ferait 99. Wedge en entier et Calus à moitié, ça ferait 99. Donc il y aurait une nouvelle fois, une nouvelle manière de gagner pour Charles, à savoir prendre la moitié de Calus, 3 dégâts, et prendre ce qu'il reste de Wedge, 3 dégâts à faire également. Donc en gros, la condition de victoire, c'est perdre la moitié de Von Reg, Calus à moitié plus Wedge en retour, ne pas perdre la moitié de Von Reg, prendre donc juste la moitié de Calus. Pas assez de temps. Effectivement, ça manque un peu de temps. 12 minutes, surtout que les joueurs ne jouent pas hyper rapidement. Surtout en fin de partie, hein, c'est normal, hein, il y a la fatigue, il y a la pression. Et Calus, il va. Et Calus, il va. Et Calus va donc évidemment. Ah ouais, non, c'est ça bump, ça bump. C'est pas incroyable. La posture n'est pas bonne, monsieur Calus. Il faut redresser le dos. Cela dit, Ahsoka va nous montrer qu'elle est une insupportable Jedi et donner un renforcement malgré tout à ce bon vieux Alexander. Puis prendre une évasion, lui garantissant sur un G stat 3 esquives. Allez Benoît, tu astomises Von Reg, ça simplifie les comptes. Que se passe-t-il? Kylo, réflexe non, attendez, supernatural, c'est en anglais, c'est surnaturel? Réflexe surnaturel? Surnaturel? Probablement. J'ai oublié, à tous les coups, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est Alzheimer, hein, vous en faites pas, c'est l'âge. Ok. Après, pour en... surnaturel, oui, ok, merci. Merci. Bon, après, ce qui me fait peur au niveau AMG, là, j'y repense là d'un coup. En vrai, pas d'annonce de points. J'ai envie de dire, on a vécu un an avec zéro annonce de points. Ça sent un peu le sapin pour le Major. Ouais, on a une très belle, un très beau bloc de la part d'Ahsoka potentiel et Wedge qui s'en vient également. Et ouais, non, ça peut être. Alors, la charge, c'est celle des senseurs passifs de Calus, mais c'est pas grave. Ce qui me fait peur avec AMG, du coup, c'est pas le changement de points en vérité, ou l'absence de changement de points. Je veux dire, bon, ça fait un an, on est habitué, il n'y a aucun problème. On peut attendre quelques semaines, quelques mois de plus à ce stade. Hein. Le jeu a l'air de convenir à la plupart des gens dans cette forme, donc bon, bah écoutez, tant mieux, hein, je veux dire, c'est toujours le besoin de la masse qui se fait sentir par rapport aux besoins des minorités, donc quoi qu'il arrive, c'est pas très très grave.
Ça, enfin, je veux dire, ça fera. Ça en emmerdera quelques-uns, notamment moi, mais ça changera pas la face du monde. Une annonce de la fin du jeu. Non, ce qui me fait peur, moi, c'est l'organized play. C'est mignon, hein. Mais ça va faire un an sans tournoi, plus d'un an sans tournoi. Et pour de très bonnes raisons, là-dessus, il n'y a pas de problème. Là, pour le coup, AMG n'est absolument pas en tort, qu'on se mette bien d'accord. Sur le changement de points, j'ai du mal à leur dire. Enfin, j'ai du mal à dire qu'ils n'ont rien à se reprocher. Pour l'organized play. Pour ce qui. Enfin voilà, il ne s'est rien passé pendant un an et plus, ça me paraît sensé. Par contre, le fait qu'il ne se soit rien passé physiquement pour nous et en interne pour eux, c'est pas la même chose. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour eux, ça? Personne ne sait le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir. Enfin, on risque d'avoir une annonce sur l'organized play, et ça, pour le coup, ça me fait assez peur. Comment ça va être géré? Rappelons tout de même qu'AMG, c'était les gens qui avaient garanti les Worlds de fin 2021. Oups. Encore une fois, pareil, j'ai du mal à leur en vouloir pour ça, parce que c'est pas de leur faute s'il n'y a pas eu les Worlds en 2021. Mais bon. Voilà, c'est tout. Ok. Alors, Major, c'est une... Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Il a accéléré? Ah, il est sorti de l'arc de Wedge. Ok, je comprends le dilemme. J'entends vos dilemmes. Il y a eu un verrouillage, non? Major Von Ray, oui. Il y a eu un verrouillage sur Calus au prix d'un épuisement et une accélération pour sortir de l'arc de Wedge. Très beau tir, monsieur. Très beau blanc, monsieur. C'est la moitié de Calus qui tombe là-dessus, mesdames et messieurs. La condition de victoire est pour le moment respectée. Quel est le critique? Il en manque un. Il en manque carrément un, non? Ah, le renforcement, je suis un connard. Du coup, direct hit, mais il a quand même la moitié. Ok! De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Bah, mine de rien, Calus, il a 4D. Calus a 4D, mais pas de modification. 5, pardon, excuse-moi, portée 1. Mais pas de modification possible. Bon, cela dit, avec des jets comme ça, je sais pas tellement si on a besoin de modification. Oh la vache, bordel! Qu'est-ce que c'est rageant? Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'il nous fait? Non? Pourquoi il nous fait ça là? Hein? J'ai pas compris. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il y a eu une relance? Sinon, c'était 5 dans les mirettes. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu une relance. Attendez. Ah, bordel. Je vais demander. Ah, j'ai raté le fait qu'ils ont mis sur pause. Non, au secours. Pardon. Voilà. J'ai pas compris. Ah, j'en ai une petite emote comme ça. Et boum! On se demande dans le chat, ça dit que Calus a lancé 5D. Bah oui, c'est normal. On se demande. Dans le chat, ça dit que. Ah non, pardon, ça dit que Calus a demandé 5D. Dark Hunter rolled 5, got 2 crits and 2 eyes. Eh ben. Et comme résultat, on voit 2 crits, 2 eyes. Est-ce que les blancs sont annoncés dans le chat d'habitude? Non. Non, non. Justement. Si tu fais rien, il dit got nothing. Mais si il t'annonce juste les peintures. Voilà. Très bien. Donc le problème concernait effectivement. Le fait qu'il n'avait pas conscience que le cinquième dé qui a fait un blanc n'était pas annoncé dans le chat. Voilà. Donc ça fait deux crits restants. Et on remet le temps. Et je remets le son. Attendez, je vais essayer de synchroniser. Oh là là, Von Rick qui va quand même se faire asmater. Aïe aïe aïe, et c'est la moitié de Von Rick. Hop là, qui dégage.
Lone Wolf, évidemment, qui a été utilisé, mais ça ne change rien. Bien, et bien maintenant vous connaissez la condition de victoire, hein, je vous l'ai énoncé un tout petit peu plus tôt. Pour Charles, il faut tuer Wedge. Il faut tuer le soldat Wedge. Voilà, c'est aussi simple que ça, bien que ce soit évidemment éminemment complexe. Il faudra en passer par là. Si Wedge ne meurt pas, alors, quand je dis Wedge, évidemment, Kalus peut mourir et suffire. La moitié d'Ahsoka, ça ferait 27, 28, 28. 27, pardon. Non, si, 28, excusez-moi. 28. Donc, popopo, 28, ce serait effectivement suffisant, puisque ça ferait bah, tout pile 100. La moitié d'Ahsoka, la deuxième moitié de Wedge, ou la deuxième moitié de Kalus suffisent à gagner la partie. Néanmoins, le vrai problème, c'est également qu'il ne reste que 5 minutes au compteur, que descendre Kalus, c'est devoir faire 7 dégâts. Alors, je vous le concède, le socle ne bénéficie pas de la plus grande agilité qui soit. Mais si vous modifiez vos dés, lui, il modifie, enfin, il en ajoute un. Donc, je pense à ce stade que la meilleure cible sur laquelle se concentrer, c'est Wedge, puisque c'est celui qui possède l'agilité la plus faible en termes de rapport facilité à deux tués, agilité. 2 dés de défense pour 3 points de vie, alors que Kalus, c'est 7 points de vie à tomber et un dé de défense à chaque fois quasiment garanti. De même qu'Ahsoka, ça va être 3 dés de défense, 2 de force, 3 de force potentiellement, une esquive au secours, laissez tomber. C'était audacieux. Ah, mais c'était audacieux, il fallait tenter. Et on va une nouvelle fois utiliser les Ya. Ah! Ok. Ok, lui, ça va aller vite pour partir côté rebelle, finir Kalus, il reste qu'un tour. Ouais, effectivement. J'entends, j'entends. Bon, Kalus qui du coup nous fait un 4 demi-tours blanc, Ahsoka qui nous fait un 3 sloops blanc. Kalus par contre qui a fini sur le nuage de débris. Non, c'était un nuage de gaz, hein, me semble-t-il. Donc effectivement, bah, cela dit, on va vite le voir, à moins qu'il ne le recouvre totalement. Ah, il ne reste plus grand chose de ce nuage de gaz. Hein. Donc, bah écoutez, voilà. Hein. Pas d'action. Et la marmotte. Ok. Comment ça, la marmotte? C'est-à-dire. Encore un truc que j'ai dit, c'est ça. Oh, pardon, fatigué. Kylo, réflexe surnaturel. Et accélération. Deux légers. Non, pardon, excusez-moi. Deux serrés. Et puis, c'est tout. Ouais, il va falloir être efficace, hein. Après, Wedge n'a pas encore bougé, donc la position de ce dernier, la position finale de ce dernier n'est pas encore connue. Ouais. J'ai l'impression que. J'ai l'impression que Charles va avoir du mal à. Alors en fait, je me demande ce qu'a fait Von Wright. Si Von Wright a fait un 1 serré. Non, mais jamais, jamais de la vie, tu peux prévoir un 4 demi-tours de Kalus à ce stade. Hop là, ah, juste une concentration pour Kylo, semblerait-il. Ah non, pardon, excuse-moi. Et un tonneau. Ayant déjà accéléré juste avant de bouger, il ne pouvait. Point recommencer. Comment se fait-il que. Ah oui, pardon, ça y est, j'ai compris. Ahsoka a fait réparer la carte. Ah yeah! Bien sûr que si 4 demi-tours et Von Rex se retourne aussi. D'accord. Vous voyez des choses que je ne vois pas.
Oh, Wedge qui se retourne également. Ah oui, non, mais je suis bête, c'est blanc, quel abruti. Logique. D'accord. Oh non! Aïe aïe aïe! Au revoir, c'est perdu pour Charles du coup. C'est aussi simple que ça. Voilà. Non, en vrai, attends, est-ce qu'il y a un scénario catastrophe dans lequel Benoît perd? Oh, très bon joueur de tennis, ça d'ailleurs, au passage. Pardon, excuse-moi. Est-ce que s'il prend Fuel Leak, Direct Hit, il est mort? Genre, Kylo fait 3 crits, un Kalus fait 3 vierges, et c'est Fuel Leak, Direct Hit? Oui. Effectivement, ça le tue. Mais. Franchement, 7 PV à mettre sur Kalus P3 avec sûrement 2 dés, c'est dur. Exactement. Non, non, mais effectivement, le 5 demi-tour qui ne passe pas, je vais vous montrer à quel point c'est proche. Je me gratouille juste les yeux. Et... Oh bordel. Merde, qu'est-ce que je branle là? Hop. Ouais. Ah non, c'est pas si proche. Oh, oh, oh. Le gris est aligné avec le gris. C'est magnifique. Regarde-moi ça. Oh là là, oh là là. Oh, c'est beau. Pardon, excuse-moi, les dés, excuse-moi. Ouais, donc effectivement, c'était pas si loin que ça, si proche que ça de ne pas passer. Il y avait quand même une sacrée marge. Le tonneau de Kylo était intéressant pour se donner un peu plus de. Alors, déjà, oui, se mettre à portée, hein, tout simplement. Je pense que c'est aussi simple que ça. Néanmoins. En vrai, même si Von Ring arrive à se retourner, c'est dur à tomber. Non, non, mais effectivement, la condition de victoire est très difficile à obtenir, hein, qu'on se mette bien d'accord, de toute manière. Kalus, il était à 11, et du coup, il est à maintenant à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il lui en reste 4, si je ne m'abuse. Il en a pris 3 sur la totalité du tour. Par contre, c'était osé de la part de Benoît de ne pas donner un renfo à Kalus. Ouais, il voulait lui faire réparer les dés. Visiblement, Von Ray qui s'en est très bien sorti. Si toutefois c'était Von Ray la cible, ça m'apparaît comme possible. Ah oui, ils vont undo et refaire, c'est ça? Non, oui, effectivement, il n'y a pas de portée là, si. Eh voilà, c'est ça. Le tonneau était logique. C'était Kylo la cible, pardon, c'était Kylo la cible. Bon, quoi qu'il arrive, il n'y a pas eu de dégâts, visiblement. Malgré ce magnifique Saw Gerrera. Bien. Mais écoutez, messieurs, dames. Cela va clore notre top 16 de ce soir. Victoire. Eh bien, victoire rebelle. Alexander Kalus for the win. Qui l'eût cru? Bon, ça me fait très plaisir de voir des listes comme ça. Pour être tout à fait franc. Très agréable de voir des choses différentes. GG aux deux joueurs, c'était quand même un match sympa. Ben, mine de rien, ça va. C'était pas trop mal. De toute manière, on a comblé ce qui était la phase de préparation qui, sans être inesthétique, n'est pas très intéressante à regarder, ou du moins à commenter, c'est-à-dire il fait un 2 serré, il tonnelle, il accélère, ouais, voilà. Déçu, j'ai manqué la fin du débat, j'étais au téléphone. Mais pour être tout à fait franc, j'ai cru que j'avais vexé du monde, parce qu'à la fin du débat, il n'y avait plus personne. Du coup, je me suis dit, ok, je me suis mis tout le monde à dos, tout le monde pense que je suis un gros con qui pense que par son prisme.